Ici Hicham du futur. Je vous parle, chers auditeurs, en direct des enfers de l'informatique avec une mauvaise nouvelle. L'épisode 33 est porté disparu. Et malgré les moyens importants déployés par les autorités, en l'occurrence moi, nous sommes sans nouvelles et avons décidé donc d'arrêter les recherches. RIP épisode 33, paix à ton âme. Tes impros sont perdus à jamais et nous sommes à la fois tristes de cette perte mais aussi soulagés que tu ne souffres plus. Vous avez donc droit sans transition à l'épisode 34 qui lui a survécu à ses blessures. Amusez-vous bien ! Amusez-vous bien ! Bonjour à tous, mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Vous écoutez l'épisode 34 de la saison 3 d'On n'a rien préparé. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Facebook et Instagram, à écouter nos autres épisodes avec ou sans invité, et si vous en avez les moyens et l'envie, à nous soutenir sur Utip. Je ne serai évidemment pas seul pour faire des blagues, vous faire rire et vous emmener loin de votre quotidien en ce jour. Je suis accompagné, comme d'habitude, de la Paquerette Ise Brassel. Paquerette, c'est moi. De la Rose Hicham El Amoury. Picouille. Et Picouille. Pour la deuxième fois, et déjà malheureusement la dernière, nous avons... Le rhododendron. Raphaël. Oui, j'ai dit coucou quand tu disais rhododendron, donc coucou. Coucou, ça va? Oui, ça va. Ça va, t'as passé deux bonnes semaines à penser à l'épisode formidable. Ça date quoi, genre. Et pourtant ça va vite, non? On a mais un peu oui, l'impression que... Ouais. Oui. En tout cas, moi j'ai souvent l'impression du coup que ça fait pas longtemps qu'on a enregistré l'épisode d'avant. Enfin, c'est... Il y avait quoi? Deux verres d'eau entre... Deux verres d'eau en deux semaines, je m'en fais pour ta santé. Mais... Non, mais il tire son eau de la nourriture qu'il mange. Ah, c'est ça. Est-elle la mer? On va lancer le long des golfes. C'était dans un autre pays où nous lui avons demandé. Je réfléchissais à beaucoup de choses. Entre autres, pourquoi... Quel impro je présente? Entre autres, pourquoi est-ce qu'il y a des grandes et des petites cuillères alors qu'on pourrait juste avoir des petites cuillères? Futur débat. Garde ça bien au chaud. Vous êtes plutôt une grande ou une petite cuillère? Non, mais il y a un côté accueillant dans la grande cuillère. C'est le moment de l'anecdote. C'est le moment de l'anecdote. Je me rappelle un peu du jour où mon père a dit « Ça suffit, vous arrêtez de manger vos céréales avec des petites cuillères parce que vous allez prendre des grandes cuillères parce que vous êtes des grands. » Voilà. Oh, wow. C'était arbitraire comme ça. Je pense que ça lui cassait les couilles parce que ça prenait trop de temps qu'on finisse nos céréales parce que les cuillères étaient toutes petites. Ben ouais, les grandes cuillères. Ça... Justement, c'est bien. Ah oui, ça fait plus durer le plaisir. Ça fait plus... Je trouve que le plat est meilleur. Quand je le problème, c'est que ça a marché maintenant. Ça... Préfère, on finit en débat, dis-eux. Hein. Mais, tu vois, on y est. Ça arrive assez régulièrement. On y est déjà, ben oui. Alors déjà, Raph, est-ce que tu préfères les céréales puis le lait ou le lait puis les céréales? Non mais allez, ça suffit là. Ça suffit. Je dis pain au chocolat. Ah oh là 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 là. Bon ben voilà, ça me va comme réponse, hein, je préfère ça. Ben enfin, oui. Y a pas de débat dans le truc que tu dis avant, quoi. Ah bon? Ah non. Alors, je pense que certaines personnes seraient violemment opposées à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut revenir au moment où on complimentait Raph, s'il vous plaît? Quelle super réponse, Raph. Et donc, pas en chocolat et pas chocolatine. Je mets le... Qu'est-ce que c'est? On n'a rien préparé. C'est 30 minutes environ d'émission. C'est 3 improvisations théâtrales. C'est, vous l'avez déjà compris, beaucoup de choses étranges et pas toujours prévues au programme. Parce que si c'était prévu, ce serait pas de l'impro. Exactement. Et ça commence maintenant avec une improvisation qui nous est amenée par Ise. Mais oui. Et vu que le but, je rappelle, c'est de mettre en avant Raphaël. Raphaël, tu vas faire une conférence de presse pour tout ton talent, n'est-ce pas? L'impro conférence de presse, de quoi s'agit-il? Tu vas être une célébrité qui va annoncer quelque chose de spécifique. Et nous répondrons et nous aurons les journalistes qui vont te poser des questions. Sauf que, mystère, surprise, troulala... Tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas ce que tu annonces, mais Hicham et Manu le savent. Donc les journalistes savent qui tu es et toi, tu ne le sais pas.
Ton but va être de répondre avec panache et certitude, malgré que tu ne sais pas qui tu es, et au bout de l'improvisation, potentiellement deviner quel est le personnage que tu incarnes et l'événement que tu viens annoncer. Ok. Je t'invite à te boucher les oreilles. C'est vrai. Te boucher comme les ours lorsqu'ils hibernent. Mets des épines de pain. Alors, les copains, Raph va être Édouard aux mains d'argent qui plaque tout pour devenir éleveur de crevettes. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Reviens parmi nous. Bonjour. Reviens parmi Bonjour. Nous. Oui, j'ai frappé Raphaël pour qu'il revienne. Mais c'était vraiment... Je porte plainte. Voilà, déjà, nous arrêtons la diffusion. C'est pas son enseignant de ce coup-ci, donc... Plus maintenant. La dynamique de pouvoir est moindre. Ah, ça va alors. Raph, je vais lancer le jingle au début. Tu vas pouvoir faire d'abord une phrase de conclusion de conférence qui dit « À vos questions !» Vos questions ! Je peux dire exactement ça, si tu veux. Bref. Et l'improvisation pourra commencer. T'es prêt ? Oui ! C'est parti, have fun ! Et voilà qui conclut cette présentation. Maintenant... Si certaines personnes se sentent libres de poser quelques questions, bah, allez-y. Bonjour, ici Blade Magazine, magazine de coutellerie. Nous voulons savoir si vous allez abandonner ce qui a fait votre réputation, en fait, c'est-à-dire votre multidisciplinarité pour venir à une seule chose, en fait, c'est ça? Vous savez, moi et les couteaux, c'est une longue histoire d'amour, quoi. C'est on commence par un opinel et on finit par un katana planté dans des gorges, quoi. C'est mon quotidien et je l'assume. S'il faut l'assumer, je l'assumerai. Et voilà, d'autres questions Oui, bonjour, ici Nature Geographic. Donc si je comprends bien ce que vous venez de dire, en fait, votre but est du coup d'élever pour vous entraîner sur du matériel vivant, finalement. C'est ça que vous voulez faire maintenant, c'est ça? Alors, je pense qu'il y a évidemment des mesures à prendre et pas tout exagérer. Oui, il m'arrive d'élever certains animaux comme des tortues ou des girafes et des... C'est enrichissant pour tout le monde de faire ce genre d'activité. Je suis désolé. Bonjour, ici le monde économique. Nous avons une question. Enfin, voilà, le consortium Booba Gump est très inquiet de savoir votre entrée sur le marché parce que il considère que c'est une violation de leur exclusivité sur le marché. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est de la concurrence, la loyale, somme toute. Écoutez, je suis le seul sur le marché à faire ça. Si ça déplaît, que ça déplaise. Mais bon, est-ce que quelqu'un d'autre sait mieux manier des couteaux que moi? Pour amener à une certaine pédagogie participative. Pour moi, c'est du Montessori ce que je fais. Hein. Shrimp Magazine a une question ici. Excusez-moi, mais on se demande si vous allez avoir beaucoup de diversité au final dans ce nouveau métier. Parce que voilà, vous étiez capable dans votre ancien métier, c'est sûr, mais dans ce nouveau, est-ce que ça ne va pas vous porter préjudice, justement, vos talents très particuliers? Vous savez, moi, on a toujours eu une certaine fascination, on peut dire, pour les mondes marins. Vous avez une question? Ah oui, non, mais c'était si vous voulez encore répondre à la précédente. Sinon... Ah, mais vous savez, moi, je préfère que ce soit participatif. Mais formidable. Eh bien, dans ce cas, Mode et Jardin voudraient savoir, parce que vous avez révolutionné de par votre dextérité, de par le nombre aussi d'outils que vous utilisiez, vous avez révolutionné l'art jardinier avant de révolutionner l'art capillaire ensuite. Est-ce que du coup vous allez changer de main pour vous adapter à cette nouvelle carrière que vous embrassez maintenant ?
Tout à fait. Oui, oui, oui. Mais alors comment allez-vous arranger ces nouvelles mains? Ah, vous savez, j'ai beaucoup de mains, beaucoup d'expérience que j'ai remarqué à travers le temps. Et vous avez raison. Oui, oui. Oui, alors ici, à nouveau, le monde économique, nous voulons savoir si, bon, déjà, il paraît que vous avez gagné maint argent dans votre précédente entreprise, mais et nous voulons savoir si, fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, en fait, sur vous, déjà. Est-ce que vous êtes vraiment un être humain? Est-ce que vous n'êtes pas un robot, fondamentalement? Est-ce que vous avez été issu d'une famille ou bien créé par un savant fou tout seul dans son manoir, au fond? Mais maintenant que vous le dites, je remets quand même beaucoup de choses en question sur ma vie. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je suis fait de métal. Vous êtes pertinent. Je suis perdu. C'est pas du tout entendu. Ah si. Parce qu'il a commencé ultra confiant, avec le temps il commence à glisser dans sa chaise. Ah ouais. Ah, oui, vous avez une question. Je crois que j'avais entendu un épisode où c'était genre, mais c'était une tortue ninja ou un truc du genre. Ouais. Et du coup, en l'écoutant, je disais, mais c'est évident que c'est ça. Là, il y a eu, on a voyagé. C'est ça qui était beau. Mais est-ce que tu as du coup une idée, une hypothèse? Il y a eu des fonds marins, il y a eu des coiffeurs, il y a eu des outils. Ah, oh. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, quoi? Ouais, je pense qu'on est plus sûr du Tim Burton. Ah, yes. Édouard, main d'argent, c'est exact. Et qu'est-ce que tu annonçais, Édouard? J'annonçais une firme de restaurant de crabe. Ah, pas loin. Tu plaques tout pour devenir éleveur de crevettes. Oui, ouais, bravo. C'est pour ça que j'ai parlé de Booba Gump, c'est dans Forrest Gump, c'est j'avais au bout de la deuxième. Et c'est devenu un vrai truc. C'est de là que ça vient. À Londres et à New York, maintenant, il y a des Booba Gump. C'est de là que j'ai pris, effectivement, cette annonce. Ouais. Mais c'était lucide. Vous voulez essayer d'être moins, de faire... Vous avez gagné maintes argent. Oui. J'ai entendu. Wow. Wow. Oui, oui. Et moi, quand je parlais, tu vois, de changer oui. De main, de changer les outils. Mais vraiment, à ce moment-là, j'étais à Franck Provo. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu t'es coupé une main ou quoi? Provo. Non, je sais pas. Il fait des produits. Bien, nous allons passer à la deuxième improvisation du jour. Waouh. Qui, à mon avis, sera un peu plus, étant donné ce qui s'est passé il y a deux semaines, sera un petit peu plus dans ta zone de confort. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais qui était, à mon avis, très très drôle à écouter. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer. Et cette improvisation nous a amené par Hicham. Oui. Pardon, tu buvais de l'eau dans la bouche à ce moment-là. Je le prends en embuscade. Sorry. Ize et Raphaël, vous allez jouer une improvisation. Qui est une. Ça me rappelle un poème, c'est-à-dire que c'est une improvisation où je vais vous interrompre de temps en temps pour dire tiens, mais ce que vous venez de dire, ça rappelle un poème. Et je propose que vous fassiez le truc en quatre vers, si tant est que c'est de la prose. Enfin, non, pardon, l'inverse de la prose. Des vers, justement. Des vers, ouais, justement, et pas de la prose. Vous faites vos poèmes comme vous voulez. Je rappelle que la rime, on s'en branle. On fait ça pour la vibe de la poésie. La poésie, c'est une vibe. Comme le spoken word. Let's vibe. Je vais vous donner un mot pour démarrer. Il s'agira du mot signal. Signal, c'est parti. Eh oh. Hop, 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 hop. Eh oh. Hop, hop, hop. Eh oh. Jean-Claude. Marie. Jean-Claude. Marie. Jean-Claude. Marie. Marie, je te trouve pas. Ah, ça me rappelle un poème. Dans le noir, nous ne nous sommes pas trouvés. Dans le noir, on s'est perdu, c'est vrai. Je me souviens encore de ton visage et son beau nez. Ah, qu'il était long. Merci, on peut continuer. Marie. Jean-Claude. Reviens, c'est terminé. Mais je te trouve pas.
Mais à côté, là. À droite ou à gauche? Mais devant le panneau. Quel panneau? Le panneau rond, Marie. Tiens, ça, ça me rappelle un poème. Ô Marie, rond tel le panneau. Oh oui, que je suis un fardeau, mais afin de vouloir t'aimer, aurais-je peut-être tout ruiné? Jean-Claude! Marie! Jean-Claude! Mais là, je suis là, Marie! Ah, je touche un panneau! Ah non, ce n'est... Non, ce n'est pas un panneau! Qu'est-ce que je touche, bon sang? Jean-Claude! Mais... Ce bruit de chien, ça me rappelle un poème. Chien, svelte prédateur à la queue qui s'agite. Il y a des millénaires, tu as rejoint mon gîte. Devenu compagnon, avant tu étais loup. Tu es mon meilleur ami, youpila, trop loulou. Ce n'est pas du tout ça, pardon, chuch. Qui calmez-vous, Jean-Claude. Ah, mais tu l'as retrouvé, Marie. Oh, mais toi aussi, je t'ai retrouvé. Ah, mais on est tous réunis. Que c'est beau, ça me rappelle mon 83e anniversaire. Oh oui, tu avais ta petite robe de dentelle. Et ça me rappelle un poème. Robe de dentelle. Oh, robe de dentelle. Cela faisait des millénaires que je te trouvais. Mais avais-tu rappelé que ficelle? Oh, robe de dentelle. On peut continuer. Mais justement, Jean-Claude, sous ce bouton et cet autre bouton se trouve... Marie! La robe de dentelle, Jean-Claude! Tu t'es souvenu? Oh là 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 là! La pro! C'est beau! Est-ce qu'elle vient de se foutre à poil en pleine nature? Non, il y a la robe de dentelle! Oh, autant pour moi. Tout de suite, là... Parfois, la nudité n'est belle que quand elle est suggérée. C'est fini les poèmes. Non, on continue. On peut continuer comme si de rien n'était. On parle de la dentelle, du poème sur la dentelle. Je pense que les codes, ils sont là pour être cassés, en fait. Ah, ouais. Non, mais c'est comme vrai, c'est exactement ça. C'est même, la rime n'était pas là, mais même les phrases n'étaient plus là. C'était vibe qui était importante. Et pourtant, il y avait ce rappel par rapport au chien. Depuis des millénaires. Ouais, c'est vrai. Hein, depuis des millénaires, tu es dans mon logis. Ouais. Depuis des millénaires, je t'ai cherché. Parlé de temps, de générations communes, quoi. Oui, c'est de civilisations qui s'effondrent. Peut-être que dans 100 ans, dans une classe de français, on analysera ce poème. Ce serait trop chouette. Je pense bien. Hein. Quand nous aurons notre empire médiatique avec on n'a rien chanté, on n'a rien accordé. Et on n'a rien cuisiné. Oh, le podcast avec juste des bruits de cuisine, quoi. Et là, on tourne. Mais en attendant, nous sommes en 2022. On n'a rien préparé et content quand nous avons plus de 100 écoutes par semaine sur notre podcast. Et nous passons à la troisième improvisation du jour qui est présentée par moi-même. Et c'est une improvisation film noir. Ouh. Parce que oui, on a marre de la joie et des bons sentiments, là. Hein, ok. Ouais. Donc dans l'improvisation qui va suivre, Raph et Hicham, vous allez jouer une impro à la manière d'un film noir, c'est-à-dire que je vais vous mettre une bande son pour vous accompagner et vous allez jouer dans une ville tentaculaire et crasseuse avec des gens un peu louches, un peu cassés par la vie, un peu film noir. Votre mot sera Carrie. Doc, est-ce que vous devriez vraiment fumer dans votre cabinet? C'est mon cabinet. Si j'ai envie de décider de fumer, je fume. Pardon, c'est juste que... j'aurais pas envie que vous confondiez votre fraise et votre cigarette. Ne jouez pas à ce petit jeu-là. Vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé la semaine passée. Ouais, pardon. Et d'habitude, vous démarrez pas la fraise pour qu'on puisse causer de nos affaires? Histoire que ce soit discret. Vous voulez la fraise? Je sais pas.
Vous êtes plus très prudent. Si vous voulez, j'en parle comme ça, mais voilà, le coup est préparé. On attaque la banque à 11h pile. Nickel. Tout en disant ça, le doc se tourna vers la fenêtre. Il voyait s'écraser l'eau sur les carreaux derrière et se demandait si ce n'était pas le coup de trop. Si il n'était pas la personne de trop. Tu comprends pas, Michael. J'ai arrêté tout ça. Si je reprends, c'est pour toi, mais... C'est pour moi ? Oui. Pour moi ? Pour moi ou pour le cabinet ? Je vois bien qu'il y a personne d'autre. Je vois bien que tout est dégueulasse. Même un rat viendrait pas se faire traiter les dents ici, Doc. C'est pour nous que je fais ça. Je te trouve un peu... aigri. Avant, ça te faisait plaisir de t'occuper du cabinet. Oui. Non, allez-y. Non, vas-y. Non, allez-y. Et dans cette hésitation, Stanley voyait un peu sa vie. Sa vie qui hésitait, sa vie qui ne savait pas, sa vie qui ne savait plus. C'est vrai que plus aucun rat passait dans sa vie non plus, à part pour braquer des banques. Je suis désolé, Doc, mais... secrétaire médical, c'est plus pour moi. Je peux plus être normal. C'est trop tard. Maintenant, je suis comme le carrelage du cabinet. Foutu, brisé. Ça colle encore, mais si on les décroche, et tout qui vole en morceaux. Mais Michael, j'ai besoin de toi. C'est toi qui dois reprendre. Qui dois reprendre ce cabinet. Je suis pas dentiste, ok? J'ai pas de diplôme. Je suis rien. Je suis une petite merde. Je suis juste une goutte de pluie au milieu d'un égout. Vous pouvez pas me sauver, Doc. Vous pouvez pas me sauver. Mais si vous voulez descendre avec moi en enfer, alors il faudra être sérieux. Je suis très sérieux quand je le dis. Y'a que toi qui peux le reprendre. C'est trop tard pour moi, Doc. C'est trop tard. Michael voyait derrière le doc par la fenêtre les phares de la voiture qui venait de s'arrêter. Les mecs étaient là. Le braquage était pour maintenant ou jamais. Il est 11h moins 20, Doc. Il va falloir que j'y aille. Vous venez avec si vous voulez ou pas. Ça changera rien. En tout cas, pas pour moi. C'est trop tard. Je croyais en toi, Michael. Je croyais. C'est ça le problème. Moi, j'y crois plus. Ou peut-être c'est vous qui croyez trop. Je croyais en toi, Michael. Je croyais. Michael ou Stanley? C'est Stanley Michael. Stanley, comme dans beaucoup d'impro, il a plusieurs prénoms. Et c'est surtout que c'est, il a dit Michael et après t'as dit Stanley. Oui. Michael. Et du coup, j'ai redit Michael. Je croyais que c'était genre j'étais docteur, mais mon prénom c'était Michael. J'ai joué. Ah. Ouais, non, toi c'était le doc. Ouais, mais. Ah ouais, et du coup c'était Stanley, c'était toi. Couilles. Yeah, right. C'est la pluie, on n'entendait pas à cause des coups de carreau, genre. C'est extrêmement bien. Il y avait un peu la même vibes que les spoken word. Il y avait plus de sens. Non, c'était cool. Moi, je trouvais ça cool. Ah oui, bien sûr, okay, mais il y avait un peu une vibe semblable. Une vraie vibe tu de film noir, quoi. Ouais. Si, moi, je trouvais. Non, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a un micro, maintenant, ça va être du spoken word. Attends, on n'a rien spoken wordé. Oh non. Oh non. No. Ce sera ça, on n'a rien chanté, ce sera du spoken word. Tu vois. Yeah. On n'a rien déclamé. On n'a rien déclamé. Damn. Bien, merci pour ces très belles impros. Oui. Raph, est-ce que tu as un coup de cœur à nous communiquer? J'ai un coup de cœur pour Manu. Oh. Lèche-cul, parce qu'il lèche des culs. Non, je vais parler jeu de société. Ah. Et je vais vous parler du Dilemme du Roi, qui est un jeu de société Legacy, donc en gros où c'est plusieurs parties. C'est pas comme le petit Milborn où on refait le même jeu. C'est une même histoire qui avance et on se retrouve sur une assemblée, ben comme ici à la table, et chaque personne représente une maison avec des intérêts propres. Et on est au conseil du roi et on pioche des cartes qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire
qui fait que on doit prendre des décisions avec des histoires de jetons de pouvoir, de faire des alliances avec d'autres et tout. Et c'est très très chouette si on a envie de perdre des amis. Comme les naufragés du Titanic, par exemple. Oh non. Ah oui, les naufragés du Titanic, putain. Voilà. Et ça, okay. J'ai joué avec des potes, on a commencé en novembre, un truc du genre, et on a terminé il y a genre un mois. Vous avez terminé votre relation il y a un mois? Oui, on est plus amis officiellement. Et c'est très très intense comme jeu. Ah ouais. De, ah, wow. D'alliance. Ah non. Mais c'est ouf, parce que d'habitude il y a peu de matériel, j'imagine. En fait, c'est basé sur des cartes et c'est tout, quoi. Quand même, parce qu'il y a tout le plateau. Parce qu'en fait, il y a, des histoires de jetons où en fait, t'auras peut-être intérêt que l'économie monte, mais que. Ah ouais, ouais. Il y a quand même pas mal de mécaniques. Voilà, ok, c'est pas mal de mécaniques et le jeu se réinvente beaucoup au fur et à mesure. Ça a l'air cool. Ouais, c'est fou parce que les Legacy dont j'ai entendu parler ou auxquels j'ai joué, c'est des Legacy qui sont à chaque fois en coopératif. Et donc là, c'est pas du tout du coopératif. Ah là, pas du tout. Ouais. Oui, genre Gloomhaven ou Pandémie ou des jeux comme ça. Pandémie, c'est du Legacy. Il y a un Pandémie Legacy qui est excellent que j'ai joué avec ma copine, mais on n'est pas là pour parler de ça. D'accord, ben merci. Voilà. Trop bien. Ouais, et donc, du coup, vous, ça a été genre combien de parties environ? Une 10-15, un truc du genre. Trop bien. Mais il y a ce truc de une partie peut durer autant 15 minutes que 2 heures. Ah oui, oui. Et c'est beaucoup de la négociation et des trucs entre joueurs. Roleplay comme ça. Il y a plein de miquettes. Ok. Trop bien, bah merci. C'est intriguant, ça. Ouais. Trop bien, bah, les infos seront en description du podcast, évidemment. Merci beaucoup, Raph. Avant de te laisser repartir, nous avons un dernier cadeau à te faire. Nous avons le dernier uTip. Tu lui fais faire le uTip ou le rêve? Oh, bah si tu veux. Oh, oh bah dis. C'est vrai, maintenant que tu le proposes. Mais vas-y. Des spoken words. Ah, uTip spoken words. uTip spoken words. Oui, parce que. Là, je balance des trucs qui font. Non, faut pas. Tipeee, c'est cancel de ouf. Ouais. Attends, si je fais spoken word. Oh, spoken word. Ah oui, mais non. Du coup, ça va pas être des fonds. Est-ce que tu veux un fond ou est-ce que tu veux juste faire un. Ah, mais vraiment, je. Si tu veux. Si vraiment. Non, mais si vraiment c'est l'horreur. Franchement, Manu, si ça te fait plaisir. Moi, j'ai un. T'as une instru de spoken word fort bien. Eh ben, écoute, je ferai un. En ton honneur, Raph, je ferai un uTip spoken word. Voilà, free spoken word instrumental. Oh. Ah non, ça c'est une pub. Ah voilà, c'était donc. C'est qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Donc un distributeur de savon. Grâce à ma formation. Bisous. Raphaël Franck, celle-là c'est pour toi. Pour toi, pour toi. Dans un monde qui va trop vite. Dans un monde où on vous demande toujours de produire plus. D'aller plus loin, plus fort. Non, pas comme ça, comme ça. Il n'y a qu'une seule bonne manière de le faire. Mais enfin, c'est facile, non? Ben non, c'est pas facile. Et ça, vous l'avez compris, c'est pour ça que vous êtes ici. Et maintenant, vous venez d'écouter quelque chose qui a peut-être changé quelque chose ou pas, je sais pas. Je veux pas décider à votre place, mais si ça a changé quelque chose, sachez que vous avez des manières pour que ce truc qu'on vous a donné, vous le propagiez. Une petite flamme, ouais, je sais, c'est une image que j'utilise souvent, mais parce qu'en fait, c'est parce qu'elle me parle, cette petite flamme, tu vois, parce que je pense vraiment qu'on a des petites flammes en nous comme ça, qu'on est comme un grand feu qui se serait divisé, qui aurait été dispersé aux quatre coins du monde, qui serait plus, où on se dit, ah, j'ai une petite flamme, je suis le seul à avoir une petite flamme, ben non, t'es pas tout seul, on n'est pas tout seul, on est là, on est des centaines, on est des millions, on a qu'à assembler cette petite flamme. Faire un grand feu. Et peut-être que autour de toi, t'as des bouts de bois. T'as peut-être des gens qui pensent qu'ils ont plus de petites flammes, alors que oui, tout ce qu'ils attendent c'est un peu de vent, tout ce qu'ils attendent c'est une petite étincelle, et peut-être que tu peux être leur étincelle comme eux ont été ton étincelle dans d'autres moyens, dans d'autres endroits, pour d'autres fois. Eh ben vas-y, prends la petite étincelle de Narp et donne-leur. Et envoie des messages par ce phare qu'est les réseaux sociaux, qui souvent sont dévoyés, qui souvent sont utilisés pour propager le mal, pour propager des espèces de grandes lueurs comme ça qui éteignent les petites flammes. Et ben non, cette fois-ci on va hacker le truc, tu vois, cette fois-ci on va être comme des hackers, on va hacker le truc, on va aller à l'intérieur et on va envoyer des grandes flammes partout qui vont illuminer les environs et qui vont nous rassembler. Et si à un moment tu veux, t'as de l'argent, tu vois, et que tu veux nous le donner, et ben tu peux.
On t'en voudra pas, on jugera pas, même si c'est 1 euro ou 2 ou 3. On t'en jugera pas, on te jugera pas. Non, va sur UTIP. Donne-nous ton argent, si tu veux. Ouais, je sais, je paraissais agressif, mais c'est parce que ça me tient à cœur, tu vois. Mais je veux pas te braquer. D'ailleurs, j'ai pas de flingue, j'ai que de l'amour. Alors ouais, je vais te braquer avec de l'amour. Et j'espère que ce braquage d'amour, ça fera que tu sortiras ton amour et que tu t'en mettras plein. Tu t'en mettras plein les poches. Et que tu le balanceras autour de toi, tu vois. Et là, je serai content. Et voilà. Donne-nous ton argent. Oups. Wow. Ou pas. Je veux pas te braquer, mais je veux quand même que tu donnes des thunes. Tu kiffes tellement ce moment. Il y a vraiment une aura, je sens une aura à côté de moi qui dit « Je kiffe, je kiffe, je kiffe !» Et je me sens comme ça virée sur le côté de la table. Malgré moi, il y a trop de kiffance à côté de moi. Vous voulez pas faire un épisode compile de tous les moments On s'est déjà dit qu'on ferait peut-être ça. Il y a plusieurs moments compiles qu'on doit faire. Il y a les Utip. Il y a les JDR. Il y a les JDR. Oh non. Il y a les questions saugrenues. Ah non, les anecdotes saugrenues. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un fan account sur YouTube qui fasse ça pour nous. Ah, waouh. Wow. Enfin, un Eurechi de... Oui, un Eurechi de Narp. Un Eurechi de Narp. Ça donne bien, en plus, un Eurechi de Narp. Eh bien, écoutez, si vous nous écoutez et que vous voulez... Non, pardon. Qui fonce Bon, ben, Raph, merci beaucoup d'être venu pour beaucoup, deux épisodes avec nous. Très chouette. Ça va, t'as bien aimé? Oui. Ouais, c'était chouette. Oui. Tu vas propager la petite flamme? Oui. Je suis heureux d'assister au masterclass de Manu. À chaque fois. Masterclass. Les moments YouTube. Arrête. Arrête. Non, vas-y, continue un peu. C'est enlever les bâtons des roues cette fois-ci, je pense. Parce que je peux te garantir qu'il y en a. C'était dur. Il y en a, c'est dur. Mais quand il y a des fonds sonores, c'est plus facile. Mais bref, ouais. On n'est pas là pour parler de mes YouTube et de moi. Merci à toi d'être venu. C'était très très cool de t'avoir, franchement. Est-ce que tu as des dates à promouvoir? Ah oui. En vrai, si les Flammes vont en finale du championnat... Et ça, c'est quoi? C'est début juin? Je sais plus exactement, mais ouais. Il y aura peut-être cette date. Et pas grand-chose dans ma vie, là. Mais... Allons, voyons Raphaël. Non, c'est la fin de saison, quoi. Je vis au jour le jour, je vis au village au jour le jour. Je cueille le jour, moi. Tu cueilles le jour, ah bah c'est beau, ça, c'est beau. Eh ben, écoute, je te souhaite de cueillir beaucoup de beaux jours et de faire un beau bouquet. Un bouquet de jours. Un beau bouquet de jours, peut-être même des semaines, tu vois. Je te souhaite de cueillir des semaines. Spoken word. Pardon. C'est ta faute. Regarde ce que tu lui as fait. Je me roule trop dedans. Et je te souhaite de survivre à cet été sans compro. Et oui, voilà. Et voilà, je vous laisse là-dessus sur ce bad mood que je viens de balancer. Non. Merci en tout cas, c'était très très cool de t'avoir. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode entre nous. Oui. Malheureusement sans Raph. Ouais. Voilà, mais il repartira quand même... vers d'autres jours. Oui, il doit cueillir. Ou d'autres semaines. Il a une cueillette de jours prévue ce jour-là. Oui, c'est ça. Il a des bons spots à cueillette de jours. C'est comme les champignons, mais... faut juste bien attendre la bonne période. Bon, Raph, dis bisous la commu. Bisous la commu. N'hésitez pas à liker, mettez la cloche. Et merci à Stéphane26 pour le don. Yes. C'est ça qu'on veut entendre.
coup là, ça va être coupé, on peut dire n'importe quoi. Hein. Oui. Ouais, parce qu'il y a une malédiction, si on dit... Magali, si je te retrouve